une ordonnance et un décret portant, entre autres, sur le commerce du diamant brut et l'amélioration du cadre de vie des étudiants. C'est ce qui ressort du Conseil des ministres tenu ce jour. 22e concours africain de procès simulé. La Côte d'Ivoire remporte tous les prix. Les lauréats ont été présentés ce lundi à la presse nationale. Enfin, le Mali vers la réconciliation. Les groupes armés du Nord élaborent à Bamako une stratégie pour les discussions de paix avec le gouvernement. Bonsoir à tous et bienvenue dans le dernier journal de RTI2. Le gouvernement ivoirien réunit aujourd'hui en Conseil des ministres au palais présidentiel en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. À l'issue de la rencontre, le président de la République a signé une ordonnance et un décret portant sur le commerce du diamant brut, l'amélioration du cadre de vie des étudiants et la restructuration de la société des transports abidjanais, la Soutra. Et on va tout de suite retrouver le porte-parole du gouvernement ivoirien, le ministre Bruno Nabagné-Koné, pour les précisions. Le Conseil a adopté la fixation des droits fixes relatifs à la délivrance des droits de traçabilité et aux autorisations du commerce du diamant brut et fixant la taxe à l'exportation de ce diamant brut. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et elle est relative à la nécessité de construire des résidences universitaires par des promoteurs privés. Il est important pour l'État de recréer les conditions pour les étudiants d'être dans des conditions pour mieux travailler. La communication suivante est faite au titre du ministère des Transports et elle concerne la restructuration de la Soutra. Cela comprend évidemment le renforcement du parc. C'est important, le renforcement du parc. Et là, il y a des recommandations fermes, j'allais même dire des décisions fortes qui ont été prises, qui vont permettre progressivement de remonter le parc aux 1200 bus, qui sont le minimum nécessaire pour couvrir d'une façon correcte la ville d'Abidjan. Rentrée scolaire 2013-2014, l'État ivoirien prend des mesures pour favoriser une année bénéfique à tous les apprenants. Après la réhabilitation de certaines écoles et du programme des cantines, il faut maintenant s'attaquer au phénomène des grossesses en milieu scolaire. Plus de 5000 cas enregistrés selon une enquête effectuée par le ministère de l'Éducation nationale. On le sait, les enseignants sont souvent les premiers incriminés. Et face à cette situation, le ministère annonce une révision des textes juridiques sur la question. Les explications de Hamza Diaby. Si par mégarde, dans mes enquêtes, je me rends compte qu'une relation intime est tissée entre un enseignant et une élève, la première des choses, je fais d'abord la mise en garde. Je convoque les parents de la jeune fille et cet enseignant, nous allons le suivre. Et si les faits sont vraiment avérés, ben écoutez, bon, nous allons nous séparer purement et simplement de cet enseignant. La séparation comme solution à ce fléau, la question est posée. En tout cas, à l'évidence, l'école ivoirienne en souffre. 5076 cas de grossesse en milieu scolaire constatés rien que l'année dernière sur l'ensemble du territoire national. Accusés, professeurs et élèves se jettent la pierre. On voit seulement le facteur professeur-élève, mais entre les élèves eux-mêmes, souvent il y a ce genre de situation. La pression de la ville, les problèmes financiers, bon, ça fait que souvent les jeunes filles pensent qu'en allant avec un enseignant, ils peuvent résoudre leur petit quotidien. Les professeurs sont mis en cause aussi dans ce genre de phénomène. Parce que les élèves souvent essaient de faire leur mieux en classe, mais à cause des moyens, tout ça, ils sont obligés d'accepter ces gens d'avance-là à leurs professeurs. Pour certains parents, les élèves restent les seuls coupables. Il y a certains élèves qui portent des tenues provocantes. Et puis, le professeur aussi étant un homme, succombe parfois à ces provocations. Comment sortir de cette situation? Une étude menée par le ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique fait des recommandations. Cibler les élèves, d'informer les élèves, de mettre l'accent sur l'estime des élèves, l'ambition que les élèves doivent avoir pour véritablement gérer leur parcours en tant qu'élèves. Il est important qu'on puisse mobiliser
l'ensemble de la communauté éducative, notamment les DREN, pour que les DREN soient responsables et conduisent la campagne zéro grossesse à l'école. En attendant une solution définitive, les grossesses en milieu scolaire continuent de briser les vies de nombre d'élèves obligés de quitter l'école. C'est également un facteur aggravant du taux d'échec scolaire en Côte d'Ivoire. Et toujours concernant la rentrée des classes, le Centre de recherche et d'action pour la paix, le CERAP, a ouvert ses portes le 16 septembre dernier. Une rentrée académique, selon les responsables, placée sous le signe de la citoyenneté universelle, l'excellence et la formation au leadership. On fait le point avec Franck Quadio. Trois départements axés sur le droit, l'action sociale et la documentation. Le Centre de recherche et d'action pour la paix, CERAP, place l'année académique 2013 à 2014 sous le signe de la citoyenneté universelle. La formation que nous donnons, c'est de permettre aux étudiants de prendre leurs responsabilités dans la société et de lutter contre la corruption, lutter contre tout ce qui est contre la dignité humaine. Les sciences sociales et juridiques, il y a donc de la matière et la marraine encourage les étudiants à l'effort assidu. Il y a un problème qui dit chez nous que quand on vous donne un arbre à couper, il ne faut pas, s'il est gros, il ne faut pas avoir peur parce qu'il peut être creux. Ça veut dire qu'il y a des difficultés extérieures, mais d'une manière générale, un travail quand on s'applique et qu'on le fait et qu'on n'a pas peur et qu'on n'écoute pas ce qui se passe à côté, on le fait bien. Le CERAP est une structure universitaire jésuite dont l'ambition est de prôner l'éducation et la promotion de la dignité humaine. La Côte d'Ivoire honorée en Afrique du Sud, les étudiants ivoiriens de l'Université des Lagunes ont raflé tous les prix lors du 22e concours africain de procès simulé. Il s'agissait pour les 55 équipes de plaider des cas relatifs aux violations des droits de l'homme par un État bien sûr imaginaire. Les lauréats ivoiriens ont été présentés à la presse nationale ce lundi. Les détails avec Michel Digré. Fofana Mohamed et Oyode Leime ont tous les deux 21 ans. Ce qu'ils ont également en commun, c'est la maîtrise de l'art de la plaidoirie. Ils l'ont démontré au 22e concours africain de procès simulé relatif aux droits de l'homme en permettant à leur université, l'Université des Lagunes, de remporter 4 trophées. Nous avons remporté les 4 prix. Il y a le prix du meilleur mémoire, le prix du vainqueur de la finale et puis le prix du meilleur plaideur. Le prix du meilleur plaideur est attribué au plaideur ayant totalisé le plus grand nombre de points durant toute la compétition. Le premier prix est revenu à Fofana Mohamed et le second à Oyode Leime. Nous avons pu constater à l'issue de cette compétition que seul le travail paye et que c'est au bout de l'effort qu'on peut y avoir une récompense durable. Cela est le résultat de 1001 nuits blanches. Nous avons beaucoup travaillé, nous sommes arrivés, 55 équipes, ce n'était pas vraiment évident. Certes, il y avait des prix individuels, mais nous avons plus beaucoup travaillé sur l'aspect collectif. Et aujourd'hui, bon, les prix individuels ont été donnés de façon aisée. Le concours africain de procès simulé est une compétition de plaidoirie sur des questions relatives aux droits de l'homme. Les étudiants doivent montrer leur aptitude à plaider non seulement en tant que partie requérante, c'est-à-dire accusateur de l'État, mais également en tant que défendeur de l'État. La Côte d'Ivoire, à l'heure de la réconciliation nationale, le programme national de cohésion sociale avec à sa tête ses deux présidents, les ministres Anne-Désirée Oulotto et Albert Mabry-Touakeus, a installé hier son comité de pilotage, l'occasion pour le CNCS d'élaborer la feuille de route des membres de la cellule. On en parle avec Michel Mambo. La réconciliation nationale, denrée très recherchée en Côte d'Ivoire après une décennie de crise. Une crise qui aura contribué à instaurer un climat de méfiance entre Ivoiriens, mais également entre Ivoiriens et étrangers. La plaie est profonde, elle s'annonce difficile à cicatriser, mais le gouvernement a sa petite idée pour arriver à ses fins. Création donc en 2012 du Programme national de cohésion sociale, qui aura, comme son nom l'indique, à charge de ramener une certaine harmonie entre les habitants de ce pays.
Un an après sa création, la structure semble donner satisfaction, seulement beaucoup reste encore à faire, d'où la mise sur pied de ce comité de pilotage. Vraiment, le programme est en marche. Les choses vont bon train et nous espérons qu'à travers ces petits projets sur le terrain, les Ivoiriens vont se parler, s'écouter, vivre ensemble. Les membres du comité, 18 au total, ont reçu, séance tenante, leur feuille de route. Il s'agira dans cette optique, entre autres, de contribuer à la réduction des conflits, notamment ceux liés à la terre, à des nombreuses tensions et violences, d'appuyer la mise en œuvre d'activités d'intérêt commun en vue de créer un environnement favorable à la paix. Votre rôle ici, c'est de permettre à la Côte d'Ivoire qui s'est mise debout de marcher avec les fils qui se tiennent le coude, qui se serrent le coude et qui se disent « nous sommes appelés donc à vivre ensemble ». Le comité de pilotage du Programme national de cohésion sociale pourra compter pour la bonne marche de son activité sur le ministère du Plan et du Développement, le ministère de l'Économie et des Finances et celui de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, tous engagés dans ce programme pour faire de la Côte d'Ivoire un havre de paix. Fragile dialogue amorcé au Mali, Bamako a donné son feu vert à une première initiative. Tous les groupes armés du Nord sont en réunion dans la capitale pour parler de la stratégie arrêtée pour les prochaines discussions de paix avec le gouvernement. Une action malgré les récents accrochages entre le mouvement national de libération de l'Azawad et l'armée régulière. C'est un petit pas vers la paix que vient de réaliser le tout nouveau président malien, Ibrahim Boubacar Keïta. Il a réuni pendant 3 jours à Bamako tous les représentants des groupes armés du Nord. Il s'agissait d'instaurer un cadre de dialogue permanent entre ces mouvements et le gouvernement du Mali, sans question tabou. Ma responsabilité devant l'histoire et les hommes, le serment que j'ai prêté au nom de ce pays, de cette république, c'est l'intégrité territoriale du Mali. De cela, je ne négocie pas. Tout le reste est envisageable, sauf l'indépendance et l'autonomie. À la sortie du palais présidentiel, les représentants des groupes armés se sont dit satisfaits. Ils se sont tous engagés à cesser d'utiliser la violence comme mode d'expression. C'est-à-dire tout est négociable, sauf l'intégrité territoriale de ce pays. Donc il faut négocier, tomber d'accord sur une solution bien négociée. Chacun trouve sa place. Ce qui nous manquait ici, et ce que nous espérons avoir obtenu, c'est la volonté politique de redresser tout ce qui le mérite. Alors que des voix dissonantes commencent à se faire entendre parmi certains cadres du MNLA, les signataires du mémorandum de Bamako affirment qu'il n'y aura pas de compromis dans le dos de qui que ce soit. Ils ont créé une cellule de contact afin de dégager des positions communes avant d'entamer les négociations avec l'État malien sur le statut et le développement des régions du Nord. Le Mali qui confirme aujourd'hui la date du 24 novembre pour le premier tour des élections législatives, suivi d'un éventuel second tour de scrutin le 15 décembre prochain. Recrudescence de la violence en Irak, au moins 6 personnes ont été tuées et 45 autres blessées aujourd'hui par l'explosion de 3 voitures piégées à Bagdad et dans le nord du pays. Nouvelle vague d'attentats en Irak, au moins 34 personnes ont été tuées et une centaine d'autres blessées mardi dans le pays. À Bagdad, au moins 7 voitures piégées ont explosé dans la soirée dans différents quartiers de la capitale, faisant 26 morts et plus de 80 blessés. Ces attaques, qui ont en majorité visé des secteurs chiites, n'ont pas été revendiquées, mais elles portent la marque des groupes sunnites liés à Al-Qaïda. Depuis le début de l'année, les violences qui frappent l'Irak quasi quotidiennement ont fait plus de 4000 morts. La crise syrienne pour terminer, le régime Bachar al-Assad et son allié russe s'activent aujourd'hui pour empêcher toute résolution des Nations Unies susceptible d'ouvrir la voie à un usage de la force contre la Syrie. Côté américain, on annonce que les moyens militaires et le déploiement de navires en Méditerranée orientale restent les mêmes pour d'éventuelles frappes contre la Syrie, une action en cas d'échec de la diplomatie. Retrouvez d'autres informations sur rti.ci. Très bonne soirée à tous.